Salut à tous et à toutes, c'est Wendy, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo sur Geek Mind, donc un jeu Flash, tout simplement. Donc petit jeu Flash, c'est vrai que c'est pas le truc que je fais souvent sur ma chaîne, mais c'est pour un petit défi, le défi de Black Manta de ce mois de février. Je le fais assez tard, c'est vrai, quand vous verrez cette vidéo, ce sera le dernier jour pour proposer une participation, de toute façon. Et donc, je vais vous expliquer. Donc, le but, c'est de faire le plus de points ce petit jeu Flash. Et tout simplement, c'est comme nous dit le personnage au milieu du jeu, Simple Name the Game Shown in the Picture. Donc, simplement, nommez le jeu que vous voyez sur l'image. Donc, en fait, on vous fait voir une image et faut trouver le nom du jeu. Donc, des fois, il y a des raccourcis. Vous pouvez mettre, exemple, vous avez une image de World of Warcraft, vous pouvez mettre WoW, ça marche. Sur certaines, des fois, ça marche pas. Et tout simplement, on va essayer de faire un maximum de points. Normalement, si je me trompe pas, Black Manta a fait 12 100 points, donc c'est un peu le score à battre, on va dire, ou au moins à atteindre. Donc, on va voir ce que ça fait. Il y a aussi des indices. Les indices sont vraiment pas utiles. Et souvent, quand je connaîtrai pas l'image, je vais la passer. Donc à chaque image qu'on va trouver, ça va donner des points, ça va nous donner du temps, parce qu'on a 60 secondes maximum, et à chaque fois on gagnera du temps. Et plus on gagne de points, plus le jeu devient difficile, parce qu'il proposera des jeux un peu plus obscurs, on va dire. Et des images aussi un peu plus obscures. Donc c'est parti. Donc le premier, c'est un Star Wars. Alors est-ce que si je mets Star Wars tout simple, ça ne marche pas? Donc c'est le pouvoir de la force, mais je ne sais pas en anglais ce que c'est. Ça c'est du Spelunky. Ça je le sais, parce que c'est un jeu que j'ai la version... Alors c'est pas cette version là que j'ai, c'est la version améliorée. Donc là on a Animal Crossing. Donc un jeu bien sympathique. Sur celui-ci, je pense que c'était l'épisode... Gamecube, ça c'est Mirror. Oh, attendez, Mirror's Edge. Faut juste que je l'écrive bien parce que. Voilà, faut aussi bien l'écrire, hein, le nom. Ça c'est donc FF7. Donc là vous voyez, ça fonctionne. On n'a pas besoin de mettre Final Fantasy 7. Ça c'est Brutal Legend. Donc ça c'est un jeu qui était sorti sur 360 et PlayStation 3. Ça c'est un jeu, on m'avait déjà dit le nom, mais je le connais plus du tout. C'est un jeu qu'on jouait énormément avec des amis. C'est Assassin's Creed. Si oui. Creed, s'il te plaît. Un peu de mal à l'écrire, le Assassin's Creed. Super Mario Bros 3. Et là, voilà, exemple, ça, je crois que SMB 3, ça ne marche pas, en fait, sur lui. Ça, c'est Myst. Donc, un jeu... Point and click, dans mes souvenirs. New Super Mario Bros. Je crois que j'ai oublié un... Oh oui, voilà. Donc voilà, là on a augmenté un level. Donc vous voyez, j'ai une médaille de bronze. Donc ça va être plus difficile. Donc là, Donkey Kong. Donc sur... je crois que c'était sur arcade. Et je crois qu'il est aussi sur NES. Ça c'est Super Mario Land. C'est le premier sur Game Boy. Première génération, ça fait très longtemps. ça, je crois que c'est Mad World. C'est pas Mad World, je sais plus le nom. Mais je connais le jeu, mais je connais plus le nom. Alors ça, c'est I Wanna Be The Guy. Alors je sais pas si ça, c'est compté comme un jeu Flash. Je crois pas que c'est un jeu Flash. Ça, c'est... Ah mince, Cooking Mama. Ah oui, des fois je vais complètement zapper. On est passé en argent déjà. Ça monte. Ah, c'est Guilty Gear. Ça je connais. C'est un Guilty Gear. Bah Pokémon. Là voilà, par exemple, là c'est Pokémon bleu, mais vous pouvez juste mettre Pokémon. Vous voyez, ça fonctionne. Ça je ne connais pas. Ça devait être un jeu Game Boy Advance. Alors ça c'est VVV, ça c'est un petit jeu indépendant qui est plutôt sympathique, je l'ai pas malheureusement. Ça c'est Mario Bros et pas Super Mario Bros. Attention, c'est pas la même chose, c'est pas le même jeu. Micro Machine, sans vraiment. Non, je connais pas ce jeu.
C'est le jeu Sackboy là. Little Big Planet. Je crois que c'est ça. Voilà, Little Big Planet. Voilà. Alors, il y a des noms de jeux hein, que je me souviendrai pas. Ça, c'est Borderlands. Borderlands, voilà. Borderlands. ça, c'est Castle Crashers. Donc, ça, c'est un jeu qu'on a joué énormément avec Arnaud 45. Vraiment très sympa en coop. Ça, c'est Super Mario Bros. 2. Donc, on pouvait jouer Mario, Luigi, Toad et Peach. Très sympa. Ça, c'est Lufia 2. Et ça, c'est un. C'est un putain d'RPG excellent. Il est vraiment excellent, Lufia 2. Ça, c'est Super Mario Bros. C'est pas le premier, hein. Non, non. Je crois que c'est le 3. Merde, pourquoi j'ai mis 2? C'est pas le 3 non plus. Je ne sais pas quel est le jeu. c'est un jeu de Guitar Hero ou de Rock Band, mais je connais pas le nom exact. Un Batman et Robin? Batman, ça passe, bon. Donc Zelda et les, ça passe. Zelda passe simplement, ok. C'est Zelda Link's Awakening, hein, celui-ci. On a vu. Ça, c'est Wii Sport. Et là, on passe en or. Vous voyez qu'on est à 5000 points. Punch-Out, sûrement. Oui, Punch-Out. Parfait. Donc, on passe à... Je ne sais pas. Je ne connais pas ce jeu. ça, c'est A Boy and His Blob. Qui a eu une version remasterisée. Et je vous conseille d'aller voir. C'est la vidéo de Zephyr. Il a fait une vidéo sur la version remasterisée. Tomb Raider. Donc le jeu d'avant, hein, je l'ai passé parce que je connaissais pas du tout. Ça c'est... Harvest Moon. C'est le premier Harvest Moon qui était sorti. Je ne sais plus sur quelle plateforme. C'est pas sur Super NES. Je ne sais plus. Ah, Zelda. Alors est-ce que Zelda passe? Oui, Zelda repasse encore une fois. Donc là, c'est des moments où tu peux gagner des points. Ça, c'est un WarioWare, mais je connais vraiment... Alors ça, c'est vraiment chiant. Des fois, vous appuyez sur Skip et ça passe pas. Ça, c'est... Rez, je crois. Oui, c'est ça. Rez, c'était un jeu de rythme sur PlayStation 2. Street Fighter 2. Donc, le fameux jeu de combat le plus connu du monde. ah, ça, c'est Earth... Oh, attendez. Earthworm... Jim, faut bien l'écrire encore une fois. ça je ne connais pas. Je connais pas du tout. En tout cas ça me dit rien sur le coup. Ça c'est un jeu que je connais mais je ne sais plus le nom. C'était un jeu sur téléphone sur smartphone. Ça c'est la roue de la fortune. C'est pas. Si c'est la roue de la fortune. Non, c'est pas la roue de... C'est le juste prix. Je connais ce jeu mais je ne me souviens pas du nom. Ah voilà, alors là on est dans la merde parce qu'on tombe que sur des trucs que je connais pas. Donc là je perds énormément de temps. Ah, le démineur, bon voilà, très simple. Mais vous voyez que j'ai perdu énormément de temps parce que je suis tombé sur une série de trucs que je connais c'est pas du tout. Donc Devil May Cry 4 avec Dante là, c'est en plus une des scènes finales du jeu. Ça c'est Super Mario Galaxy. Donc là, faut que je tape à la vitesse de l'éclair, parce que je ne connais pas. Ah, ça va être bientôt la fin pour moi, parce que je connais pas tous les jeux. Ça, c'est Bioshock. Bioshock, c'est bon, j'ai eu le temps de le taper. C'est pour changer les plasmides, je me souviens de ça. Fallout, le premier du nom, je pense. Ou c'est Fallout 2, je ne sais, un des deux premiers, ça c'est sûr et certain. Y a plus de son, ne vous interpellez pas. Ça, c'est Final Fantasy Tactics. Oui. J'ai eu de la chance de que ça soit celui-là. Les Lemmings. Donc le tout premier, je sais pas sur quelle console était sorti le premier Lemmings. Ça c'est la famille Adams, mais peut-être que j'aurais mis Adams Family, ça passait. Un jeu avec des des tanks, je connais pas. Ça va être la fin pour moi. Ah, Batman, est-ce que j'ai le temps d'écrire Batman? Oui, j'ai eu le temps d'écrire Batman. Parce que celui-là, je sais qu'on peut juste écrire Batman. Hulk. Merde. Il y a un cas qui s'est ajouté en trop. un petit Zelda Ocarina of Time.
que nous sommes en train de faire sur la chaîne. Un jeu qui ressemblerait à Dragon Quest, mais je pense pas que c'est Dragon Quest. Je connais le perso, mais je sais pas le nom du perso. Bon, bah voilà, 12325 points. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Donc pour finir, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire, j'imagine que Gingman c'était un jeu que à peu près tout le monde connaît, hein, parce que c'est un jeu qui avait fait parler de lui à un moment. C'était un jeu où on jouait, que je jouais énormément avec des potes. On essayait de se battre. Je crois qu'une fois on avait réussi à atteindre 15 000 points, un truc qu'on n'avait jamais fait une fois. Parce qu'on avait, on s'était joint avec deux trois amis. On avait dit allez, on essaie de trouver tous les jeux qu'on se connaît. Allez, on se les dit. Et on avait réussi à atteindre pas mal de points. Donc ça avait été une bonne expérience. Et donc là encore une fois une bonne expérience. Donc 12325 points, c'est le score que j'ai fait. Donc un score plutôt honorable, je trouve. Donc je remercie toutes les personnes qui ont vu cette vidéo. Merci à vous. Et donc, bah, encore une fois, merci à Black Manta de proposer ces petits défis quotidiens, quotidiennement tous les mois. Les petits défis mensuels, on va dire. Ça fait toujours très sympa. Et donc, malheureusement, quand vous verrez cette vidéo, ça sera un peu tard si vous voulez essayer, vu que dans la même journée, bah, ça va être la fin. Ça sera le 28 février, c'est le dernier jour où on peut proposer une participation. Alors, je sais pas s'il y aura d'autres participations à part la mienne. Je pense que oui, il y aura une autre participation, on verra bien. Donc, en tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. À plus et à la prochaine. Salut!